Bonjour à tous, chers amis d'Elva, la voix de l'âme, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour des partages avec simplicité, avec engouement dans l'éveil des consciences, parce que je souhaitais à nouveau être dans ce fil d'argan que, que LVA apporte au fur et à mesure du temps. Pour les gens qui sont dans l'éveil de conscience, mais aussi qui sont déjà euh, dans ce parcours de reconnaissance, de connexion vers soi. Et là, je rencontre à nouveau Luc Baudin, euh, où nous allons partager différents sujets que je vous laisse découvrir tout au long de cette vidéo. Alors, qui c'est Luc Baudin Luc Baudin est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle, auteur et écrivain de livres spirituels, notamment vers la méthode Ho Oponopono, mais aussi sur une médecine spirituelle. Il a aussi euh, également euh, écrit La révolution de l'amour dernièrement, mais il a une chaîne aussi YouTube. Luc Baudin, où vous pouvez voir différentes thématiques et surtout clés vers une approche sur la connaissance vers soi, mais aussi un dégagement spirituel par rapport aux thématiques et ce que vous vivez au quotidien. Une belle découverte vers vous-même. Voilà alors Luc, merci de faire euh, partie de ce voyage, de ce chemin que à nouveau LVA entreprend. Euh, nous avons différents sujets que je souhaitais aborder avec toi de l'éveil. L'éveil ouais. est un tournant majeur euh, de notre vie, c'est un grand changement qui s'effectue dans notre conscience et cela débute le plus souvent par l'envie de se reprendre en main et de ne plus suivre à ce que la société actuelle nous impose, et ce, afin d'atteindre le bonheur. Quel est ton point de vue là-dessus, Luc ben, Je crois que... À un moment ou à un autre de notre vie, de toute façon, il y en a maintenant, heureusement, il y a des personnes qui font ça de plus en plus jeunes, et je trouve ça génial pour elles. C'est qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on se pose des questions parce qu'on a été formaté, éduqué, propagandé, et en fait, on obéit aux lois de la société qu'il faut réussir à se développer, à développer notre revenu financier, notre niveau social, etc. Et puis, un beau jour, si on est véritablement honnête avec nous-mêmes, on s'aperçoit que bah, ça ne nous rend pas forcément euh, très, très heureux. Euh, très... Et c'est là qu'on va commencer à se poser des questions. On se pose des questions, OK, bon, ça me rend pas heureux, mais euh, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux Donc, c'est la, la question subsidiaire. et et donc là, c'est ce qu'on appelle souvent la mission de vie. Moi, j'appelle ça plutôt le chemin de vie parce que ce n'est pas un but, c'est un, un chemin en fait, c'est tout à fait un chemin. Et euh, il faut, euh, dans ce cas-là, euh, avoir euh, le courage parce que ça demande du courage à un moment de se dire, bon, bah stop, euh, je vais pas forcément tout lâcher parce qu'on peut bien continuer notre activité pour gagner de l'argent, pour payer les études des enfants, le loyer, etc. Mais aussi commencer à développer plus des choses qui nous intéressent à côté. Et petit à petit, euh, ça, ça peut prendre de l'ampleur et puis jusqu'où ça mènera, on, on ne sait pas. Et ce qui, ce qui est très important à comprendre, euh, c'est que vous voyez le cas, par exemple, d'une jeune femme qui, qui cherchait l'homme de sa vie. Il y en a plein qui cherchent de leur vie, de la fin de leur vie, voire le travail de leur vie, etc. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cet homme, cette femme ne va pas venir un beau jour frapper à la porte. Donc il faut aussi se donner des, donner des opportunités pour pouvoir euh, rencontrer euh, euh, cette personne ou développer un nouveau travail, etc. Donc il faut rechercher, il faut sortir, il faut bouger, il faut remettre. Euh, et c'est souvent. Euh, le, le problème qu'il y a c'est qu'on n'est pas satisfait on a envie de changer et on attend les opportunités pour le faire or en fin de compte c'est pas comme ça que ça marche que on, on est on, on, a, on commence à développer les choses et c'est là que les opportunités arrivent et ça arrive en général par des voies complètement différentes de ce qu'on avait, qu avait a priori attendu d'ailleurs mais c'est que du bonheur est-ce qu'il est nécessaire de vivre des situations conflictuelles avec son prochain, son compagnon de vie, ou des, on va dire, des mâles pour comprendre certaines perceptions de la vie, pour nous faire avancer sur le chemin de l'absolu, de l'unité de, de ben, Je pense que l'univers… Euh... Pour ne pas pour le l'appeler comme ça parce que chacun y mettra le nom qu'il veut derrière euh, l'univers ne, ne va pas nous emmener directement sur des situations conflictuelles ou des ou des problèmes physiques c'est à dire qu'il va il va déjà nous envoyer des des sentiments des émotions des intuitions euh, des comme je le disais tout à l'heure si on a l'occasion si on a l'honnêteté on sentira un mal-être chez soi une non satisfaction et donc c'est là qu'il faut se poser des questions mais bien souvent ce qu'on fait c'est qu'on le met dans sa poche et puis on continue notre vie comme ça et à ce moment là commencent à apparaître des situations des situations désagréables pas trop méchantes au départ là encore ce sont des petits rappels et puis bon an mal an ça va de plus en plus important par des cycles c'est souvent des cycles de quelques mois ou quelques années selon les personnes et puis si on n'entend toujours pas ça peut visiblement s'inscrire visiblement, dans le corps mais euh, cette inscription dans le corps n'est pas une punition là encore, c'est simplement euh, un, on essaye de c'est un rappel plus fort euh, simplement de de nous dire "oh oh, on t'a pas entendu avant, il est peut-être euh, il est temps maintenant." Donc c'est c'est pour ça que il n'y a pas de méchanceté entre guillemets dans tout ça. C'est il n'y a pas de punition. C'est simplement bah, qu'on a la tête dure et puis ben bah, on est on comprend certaines choses un jour et puis bah, le lendemain on se retrouve repris dans les dans les activités. On reçoit quelques factures. On reçoit on... et puis voilà. On replonge facilement dans dans nos habitudes en fait parce que. Comme il est souvent dit, et c'est juste, c'est que la véritable vie est en dehors de nos habitudes. Donc, quand on est dans notre petit rond, -ron, on n'avance pas. Et c'est toujours en sortant de ce rond, -ron, de ces petites habitudes, que, que d'un seul coup, on découvre des nouvelles choses. Je donne souvent un exemple très simple, c'est que quand on va au boulot le matin, c'est par exemple en voiture, en trottinette ou à pied, peu importe. Eh bien, et si un jour, on prenait un chemin différent mm -hmm. Mm -hmm. pour y aller simplement simplement voir autre chose découvrir autre chose et, et c'est fait de toutes petites choses qui nous sortent un petit peu et qui nous obligent d'un seul coup à, à observer un peu plus autour et, et c'est pareil c'est qu'on il y avait je me rappelle dans un film c'était intéressant parce que il montrait il y en avait un qui disait un acteur qui disait Oh bah, tous les jours, je vais, je vais pique-niquer dans le parc et tous les jours, c'est la même chose. Et l'autre, lui veut montrer, mais comment ça, c'est la même chose C'est jamais la même chose. Là, autour de toi, c'est toujours des gens différents. Il y a un jour, ça arrive du soleil, il y a un jour, avec de la nuage, un jour. Il y a tout, tous les jours sont différents. Tous les jours sont merveilleux et tous les jours, il y a quelque chose à découvrir. Et oui, on vite dans les habitudes. Comment sortir justement de ce confort et de ne pas avoir peur d'ouvrir notre conscience, cet éveil spirituel Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance assez particulière Justement, tu, as, tu es l'auteur de la médecine spirituelle qui permet de, de, de découvrir différents points là-dessus. Quand nous sommes dans le début de notre connaissance, comment nous pouvons enlever... Ce, ce, ces freins que nous nous mettons par la peur justement. De cette la peur, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour, hein, tu c'est bien. Et c'est ce qui l'amour, c'est ce qui régit le monde et c'est ce qui nous est demandé oh, en définitive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, les choses sont très simples. Et, euh, et fut un temps, euh, il y a bien éloigné, j'avais fait un potager. Oh, ça n'a pas duré très longtemps. Le travail m'a vite submergé, mais j'avais fait un <laughs> potager. Oui, et, et c'est fou tout ce que j'ai pu apprendre en faisant ce potager et simplement en faisant ce potager, en regardant les légumes, en regardant les oiseaux, les animaux qui étaient autour. Et je dirais que j'ai presque appris plus en faisant mon potager au niveau philosophique que qu'en lisant tous les textes qui sont toujours très théoriques quand on les lit. Et là, c'était vraiment dans la pratique. Et c'est pour ça que les choses ne sont jamais compliquées, sont jamais compliquées. C'est nous qui les complexifions. Et c'est toujours tout est à la portée de tout le monde. Et je dirais presque que celui qui est le plus érudit aura peut-être le plus de difficultés parce qu'il va complexifier plus facilement les choses. Tandis que quelqu'un qui suivrait terriblement son cœur, son intuition, son instinct, euh, sans avoir euh, les, les freins justement euh, par rapport à, à ses connaissances, euh, euh, eh bien à ce moment-là, il ira, il, ira, euh, il ira beaucoup plus vite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours un mouvement au départ. faut déjà se dire, ok, déjà, la première chose qui est importante à savoir, c'est que les habitudes, les habitudes, les habitudes, certes, sont rassurantes, mais demain, même si on reste dans nos habitudes, demain sera différent d'aujourd'hui sera différent d'aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, dans dix ans Ce sera différent. Nous, on espère toujours que ça restera pareil et qu'on s'est toujours rassurant. Mais donc, on sait que tout bouge. Et donc, euh, à nous de, bouge, de faire bouger les choses dans le sens qu'on a envie, en fait. C'est ça l'élément important. Qu'est-ce qu'on a envie Je voudrais amener les spectateurs qui nous suivent sur les lois universelles, les fameuses 12 lois. Qui, qui amène justement à cette compréhension vers nous-mêmes et aussi ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir créateur. Et je voulais te parler de la loi du libre, du libre arbitre. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire là-dessus ah, Ça, pour moi, pour moi c'est euh, une des lois les plus fondamentales de, de notre existence. C'est que il est, il est interdit. Entre guillemets, euh, de, de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, contre son gré. Donc ça, c'est très important parce que euh, si on regarde bien les, les événements qui se, qui se déroulent aujourd'hui, euh, souvent euh, on... on on n'oblige pas les personnes enfin les, on les on leur impose pas mais on les on leur fait euh, miroiter des tas de choses qui, qui les poussent à faire à donner leur consentement parce qu'il faut qu'il y ait le consentement et s'il n'y a pas le consentement ce n'est pas valable et c'est pour ça que il y a beaucoup de programmes qui nous sont inculqués. Je dirais, l'éducation, on en a parlé, on a parlé de ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, peu importe. Mais ces programmes, on les a en nous, mais ce ne sont pas, des, ce sont pas nos programmes. Ils ne répondent pas à notre libre arbitre. Et c'est pour ça que si on peut très facilement, simplement en le demandant hein, le, en le désirant faire partir ces programmes qui nous sont étrangers hein, puis après ça moi, je pense qu'on peut aussi travailler sur les programmes qui nous ont été inculqués à partir de fausses informations ou d'informations tronquées parce que en fait on, on a obtenu notre consentement mais sur des mauvaises données donc je pense que là encore ce consentement n'est pas valable évidemment. Quand tu parles du programme, est-ce que ça correspond à la genèse, à, à nos anciens qui ont vécu certaines situations familiales ou même sociétales, et que nous nous formons en fait cette continuité de famille, et, et nous avons peut-être des schémas à vivre par rapport à une cinq générations voilà, cinq générations qui, euh, qui sont passées déjà. Oui, c'est-à-dire c'est qu'on a, on a des programmes qu'on nous ramenons euh, de vie antérieure. Ce sont des programmes que nous avons développés dans des vies antérieures qui n'étaient pas bénéfique qui était délétère pour, pour nous en particulier et certainement pour les autres et qu'on n'a pas résolu dans les vies antérieures et qu'on rejoue dans cette vie-là pour justement c'est pas encore une punition c'est pas le c'est moi je suis pas d'accord avec la présentation du karma tel que c'est présenté habituellement ce n'est pas une punition c'est simplement on rejoue la scène pour qu'on comprenne que nous avions fait un mauvais choix et le changer. C'est tout ce qui nous est demandé. Là, de la même manière, c'est qu'on peut avoir des choses qui viennent de la généalogie. C'est vrai, c'est vrai. Mais personnellement, je pense que si nous les avons dans notre famille, c'est que quelque part, ces problèmes nous correspondent individuellement, personnellement également. donc, c'est aussi des programmes qui, nous sont, qui sont à l'intérieur de nous, mais est-ce que ça vient vraiment de nous? est-ce que ça vient de l'extérieur? et c'est pour ça que... on peut, il y a des programmes aussi étrangers qui peuvent venir avec, avec même certaines publicités, certaines présentations, certaines images qui peuvent être données des donner des fausses impressions ou des fausses opinions et qui vont nous tromper dans notre jugement et ainsi nous amener des programmes qui sont pas à nous et qui nous... et ça c'est important parce que ces programmes vont, vont à ce moment-là entraîner des raisonnements différents des raisonnements qui ne sont pas justes et des comportements qui sont pas différents des jugements qui ne sont pas différents qui ne sont pas qui ne sont pas des nôtres etc. ça mm -hmm. ça nous, ça nous on, on perd quelque part notre libre arbitre et on perd par exemple notre, notre libre raisonnement je dirais. nous sommes euh, nous faisons partie de ces énergies ces énergies qui nous entourent et nous sommes aussi énergies comment justement sortir de ces schémas répétitifs familiales et en même temps prendre conscience que nous faisons partie de cette unité unie vers l'autre et prendre conscience que nous faisons partie de ces multi-univers qui nous entourent et en même temps changer le protocole, on va dire le dogme qui est comme un sac à dos dans notre vie. Oui, c'est-à-dire c'est qu'on on est tous dans le même dans le même univers, mais quelque part nous sommes aussi chacun dans notre monde, et euh, et donc euh, nous nous réunissons à part communauté de pensée, c'est-à-dire que avec des pensées similaires, c'est ce qu'on retrouve au niveau des familles, au niveau des amis, au niveau des réunions, etc. Donc mais et c'est pour ça qu'à la fin nous devenons des co-auteurs, c'est exact, mais J'en discutais encore tout dernièrement avec la notion de la loi d'attraction et Ho oponopono qui en fait partie. Et on se dit, OK, nous sommes responsables des situations que nous avons amenées dans notre vie, des situations délétères. C'est juste. Donc, ces situations délétères ont été délétères pour nous, mais on peut être délétères pour les autres. Donc, si c'est si délétère pour les autres, c'est que nous sommes responsables, coupables de ce qui se passe chez les autres. Mais pas c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que tout simplement, si les autres ont vécu cela, c'est qu'ils avaient aussi une mémoire erronée. Qui a amené ça dans leur vie Sinon, ils ne l'auraient pas vécu bien le comprendre, c'est que c'est pas quelque chose là encore. Nous nous sommes les, les metteurs en scène de notre vie, ok. Mais les autres sont les metteurs en scène de leur vie. Et si on a créé une situation qui leur a été délétère, mais c'est parce que eux ils ont attiré. Il y a eu une mémoire chez eux qui a attiré cette situation délétère dans leur vie. Sinon, ils l'auraient pas eu. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on est responsable. C'est vrai que ça donne toute décision, tout choix va avoir, avoir des conséquences. Mais euh, les autres ont aussi la, la, la responsabilité de leur propre vie et ce n'est pas, pas nous qui allons leur imposer quoi que ce soit. Là encore, on retombe sur la loi de la, du libre arbitre. Tout à fait. Et euh, on revient sur les œuvres que tu as écrites ou coécrites, notamment les livres Ho Oponopono. Cette, euh, cette phrase est en train de désamorcer ou de changer en fait une phase de notre existence. Hein? Oui, tout à fait. C'est euh, pour ça que j'ai écrit après le Ho Oponopono nouveau, parce qu'il y avait un glissement euh, sur la compréhension de Ho Oponopono. Nouveau. Oponopono, euh, d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, que ce soit le Ho Oponopono classique ou le Ho Oponopono nouveau, c'est que nous sommes responsables de la situation. Okay. Et là, ce n'est pas toujours évident quand on est en train de vivre une situation conflictuelle, difficile, etc., de dire c'est moi qui l'ai créé, mais c'est très important parce qu'à partir du moment où c'est nous qui l'avons fait, ça veut dire qu'on euh, peut le défaire. Parce que si ça vient des autres, c'est pas nous qui pouvons le défaire, ce seront aux autres de le faire. Et puis après ça, les mots désolé, pardon, merci, je t'aime, euh, sont des mots à pas répéter comme ça. C'est qu'il faut en voir la compréhension. Et c'est pour ça que moi il y avait un mot qui m'avait gêné dans le Ho'oponopono classique, c'est le pardon. Le pardon. Alors, je suis très, je suis, je suis très d'accord avec le pardon. Hein. Je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, etc. Mais euh, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, je ne comprenais pas ce qu'il venait faire dans Ho Oponopono. Le pardon. Le pardon. Parce qu'en fait, si on considère que c'est nous qui sommes responsables, les autres en sont pour rien. Donc, euh, on n'a rien à leur pardonner. Après ça, on se dit, oui, mais on va se pardonner à nous-mêmes parce que c'est nous qui l'avons amené dans notre vie. C'est juste. Mais seulement on l'a amené d'une manière inconsciente, non volontaire. Donc, jusqu'à quel point on, est, euh, on a à se pardonner quelque chose Alors, j'étais parti là-dessus, euh, euh, j'étais parti en Polynésie, d'ailleurs, j'ai vécu quelque temps là-bas, et, et j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était professeure de français et de polynésien. Et elle m'a dit, euh, tu sais Luc, le mot polynésien qu'on traduit habituellement par pardon a un autre sens, c'est-à-dire effacer quelque chose de noir dans sa vie, de sombre. Et c'est tout à fait ça. On, avec Ho Oponopono, on efface quelque chose de sombre, c'est-à-dire une croyance erronée, tout simplement, et qui va changer notre vie. Et c'est pour ça qu'Oponopono n'est pas un traitement, c'est un art de vivre où on prend, on prend la responsabilité pleine et entière de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et c est, c est, alors c'est vrai pour Ho Oponopono, mais c'est vrai aussi tout simplement pour la loi d'attraction d'une manière générale. Okay. Oponopono est, permet d'effacer. Les éléments négatifs, la loi d'attraction permet d'attirer les éléments positifs. Tout à fait, mais en, en rebondissant sur cette loi d'attraction, il y a aussi la loi de la vibration, la loi de la correspondance. Euh, finalement, tout est lié, c'est ce qu'on disait au début, euh, tout, tout, toute pensée et, et création, que ce soit dans le négatif ou le positif, et tout dépend de ce que nous vibrons. Eh oui! Nous, de toute façon, on, moi je donne souvent la comparaison du, de, de l'appareil radio. Appareil radio, quand on, on l'allume, on, on règle la fréquence ou la station, et l'appareil radio, il se met à vibrer à la fréquence qu'on lui a indiquée. Et à ce moment-là, la, la station radio, l'onde radio, si elle est bien dans l'environnement, elle est attirée dessus et on, va la, et on va la capter sur notre radio. Et nous, c'est exactement sur le même principe. Selon notre fréquence, selon notre pensée, chaque pensée a une fréquence. C'est évident que euh, la fréquence de la jalousie n'est pas la même que la décuplante de la. Culpabilité ou de la dévastation ou de la peur de mourir ou que sais-je. Donc, chaque fois, chacun a une fréquence différente et elle va attirer des, des, des événements sur la même fréquence qu'elle sait. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est et ça c'est important, c'est que l'univers répond à, à, ses, à ses pensées. Là, la plupart du temps, sont des pensées inconscientes. Donc, on peut déjà les conscientiser avec la loi d'un, en, en, en demandant, en se concentrant bien sur ce que l'on veut et non pas sur ce que l'on veut pas. Donc, ça, c'est déjà très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers va répondre de toute façon à nos demandes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Mais il ne va pas, euh, il ne porte pas de jugement. Il ne va pas dire, tiens, ah euh, oh bah Luc, tu as, as, as demandé tel truc, mais ce n'est pas bon pour toi, je ne te l'apporterai pas. Lui, il n'a pas, il il pas de jugement, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il va nous l'apporter parce que en fait, c'est aussi quelque chose que nous devons vivre tout simplement. Nous avons demandé quelque chose, on l'a, consciemment ou inconsciemment, on l'a. Et donc quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'on le vive pour comprendre, là encore, là, là. Et comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je, soit je gagne, soit j'apprends. J'apprends, tout voilà. à fait. Euh, tu sais, justement, j'avais ces questions de... émotionnelles à te soumettre, mais tu viens d'y répondre. C'était quels sont les états réels liés à nos émotions, comment les modifier. On vient, on vient d'aborder le sujet, mais euh, tu sais, d'une façon pédagogique, ah oui, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais simplement dire que les émotions, c'est le sel de la vie. C'est le sel de la vie. C'est elles qui vont nous permettre d'agir, de bouger dans un sens ou dans l'autre. Bon, l'amour n'est pas une émotion, c'est plus un sentiment, mais euh, c'est ça va nous faire bouger dans un sens. L'insatisfaction, la, 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 la peur va, va nous faire bouger dans, dans, dans un autre sens. Et elles, sont, elles sont là pour ces émotions. Sont des, si on n'avait pas d'émotions, ce serait une catastrophe. Alors, vrai que nous on voit tout de suite émotion, peur, tristesse, négativité, etc. Mais tout ça sont comme des signaux des signaux d'alerte, des signaux d'alarme qui y a quelque chose qui ne va pas et sur lesquels il faut qu'on travaille, tout simplement. Sans les émotions, on ne serait pas humain, tout simplement. Tout à, tout à fait, j'allais te le dire, on ne serait pas humains, on serait des robots, tout simplement, voilà. qui seraient programmés pour faire ça, etc. Et justement, cette humanité est en train de changer parce que euh, cet ancien monde qu'on disait il y a quelques années, préparez-vous, l'ancien monde va s'arrêter, le nouveau monde va se mettre en place. Bon. Aujourd'hui, euh, c'est d'actuel. Maintenant, moi, je dis que... De mon point de vue, nous sommes dans cette énergie de, 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 cette, de ce monde qui est actif, qui amène de la domotique, qui amène aussi cette puissance dans la télépathie, dans le ressenti, dans une intuition qui se développe de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit que nos enfants sont très doués. Dès la naissance, avec, euh, avec un éveil des yeux euh, curieux dès leur, euh, dès leur jeune âge. Euh, donc, aujourd'hui, c'est vrai que euh, plus on va avancer, plus il va avoir cette partie sombre, noire, qui va être euh, sollicitée par ces gens qui veulent l'utiliser cette énergie-là. Et nous, dans, quand je dis nous, c'est parce que je ressens notre énergie, cette puissance de l'amour qu'on qu met en avant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau monde je ne pense que du bien, de, de, parce que de toute façon, comme tu le dis très justement, il y a plein. Les, les enfants d'aujourd'hui ont des capacités. On voit ça même avec les enfants autistes, avec les, 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 les haut potentiels, les enfants arc-en-ciel et indigo, même les hyperactifs. Tout ça, on les considère comme étant des anormaux. Anormaux, oui, des inadaptés à notre société. Ça, on est bien d'accord. Mais seulement, ce sont des enfants, des êtres, parce qu'il y en a maintenant qui sont adultes et qui peuvent apporter quelque chose de magnifique dans notre société. Si on leur laisse l'opportunité, le de développer leurs capacités et leurs talents, ce qui n'est pas malheureusement souvent le cas. Alors là, là le, le, aujourd'hui, on est tiraillé par deux choses. On est tiraillé par cette, cette montée de notre conscience, de notre esprit, parce que les nouvelles capacités aussi, tu parles de la télépathie, etc., tout ça, j'ai développé ça dans un livre en disant, on a tous ces capacités-là en nous. Après ça, à nous de les développer ou pas, c'est nous qui pouvons le, qui le faire. Et de l'autre côté, ben, on est tiraillé vers le bas avec tout ce qui est alors c'est vrai j'ai longtemps réfléchi à ça parce que euh, bah, c'est vrai que j'œuvre évidemment pour euh, amener toujours de, de la paix, de l'équilibre, de, de, de l'harmonie euh, dans l'esprit des personnes qui veulent bien m'écouter mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, un monde qui serait que de lumière dans ce système en 3D ne peut pas Exister, ne peut pas exister. Ce sera quand on sera dans les mondes supérieurs. Un monde qui n'est fait que d'ombre. Il ne peut pas non plus exister. C'est tout. Donc il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc il faut il faut bien comprendre que on a une face sombre et une face de lumière. Mais le sombre n'est pas si sombre que ça et la lumière n'est pas si lumineuse que ça. Il y a de, toujours, comme disent les Chinois, il y a du yin dans le yang, il y a du yang dans le yin. Et on a C'est tout comme le principe féminin et masculin. Il y a pas c'est pas séparé. Les femmes sont pas féminines, et les hommes masculins. Il y a il y a du il y a du il y a du, du féminin chez les hommes et du masculin chez les femmes. Et donc, c'est l'idée plutôt de se dire, il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux. L'équilibre entre les deux, c'est ce qui nous est demandé dans ce monde, l'équilibre entre l'ombre et la lumière, avec l'intégrité, la justice entre les deux. Après, euh, c est, c est pas, quand on voit un incendie de forêt ou d'une maison, on dit, c'est affreux le feu. Mais d'un autre côté, on est bien content d'avoir le feu qui va nous cuire les aliments et qui va, et qui va nous réchauffer l'hiver. Donc, c'est pour ça, il y a les deux, toujours ces deux, ces deux aspects et le principe est plutôt de trouver l'équilibre entre les deux et donc là aujourd'hui on est en train de on est vraiment dans des états extrêmes avec euh, d'un côté ça tire vraiment fort vers le bas de l'autre c'est vers, vers le haut mais euh, mais moi je suis toujours un éternel optimiste mais optimiste pas pas complètement euh, aveugle non plus c'est à dire que je pense que de toute façon, un jour, tôt ou tard, dans, dans un avenir de, je ne sais pas, quelques années, quelques décennies, j'en sais rien, euh, la, le monde va changer dans la lumière vers quelque chose de positif. Mais en attendant, est-ce qu'on va aller directement vers cette option-là ou est-ce qu'il faut encore une fois qu'on expérimente l'ombre avant de retourner vers la lumière That is the question. Ça va dépendre de chacun d'entre nous par rapport à ça. C'est à nous. Je vais rebondir. Tu sais, quand on parle de l'ombre et la lumière, ça en vient même à l'alimentation, c'est-à-dire ce que nous mettons dans notre corps euh, est vraiment essentiel dans notre évolution c'est-à-dire c'est la nourriture, que ça soit de l'esprit ou même pour, pour nourrir ce corps, ce véhicule que, que nous avons pour, pour circuler autant de temps qui nous est donné sur ce monde. Je, je me suis aperçue que si nous mangeons d'une façon consistante et des, euh, des matières qui ont été transformées, on est plombé, on se sent mal et on peut même créer des mâles qui disent quelque chose. Et plus on va manger une alimentation équilibrée qui vient du potager ou éventuellement d'une production, on va tenter de dire bio, nous allons nous sentir mieux, plus, plus éveillés, plus à même d'affronter notre, notre, notre joie de vivre, j'ai envie de dire, ce bonheur qu'on essaye à chaque fois d'aller chercher. Oui, tout à fait. Ben, on, avait, on avait repéré comme ça que si on caractérise un petit peu, schématise un peu les personnes qui, qui ont tendance à, à manger, par exemple, beaucoup de viande et de viande rouge, eh bien, il va y avoir dans leur cerveau certains neurotransmetteurs qui vont se développer, en particulier la noradrénaline, la dopamine, etc., qui sont certes des neurotransmetteurs importants parce que ça nous permet de bouger l'action, de décider, mais quand il y en a trop, ça peut pousser à l'agressivité. Inversement, les personnes, euh, quand les grands, les grands euh, moines, les, les, les méditants, etc., sont des, sont des personnes qui ont tendance à manger végétarien. Et donc, végétarien, ça veut dire que ça va, au niveau neurotransmetteur, ça favorise le développement de la sérotonine, qui est une hormone pour schématiser de la sérénité. Mais, mais, mais je vais me faire l'avocat du diable. <laughs> je vais me faire l'avocat du diable en ce sens que certes, l'alimentation est très très importante et ce serai très importante et je serai le dernier à dire le contraire. Mais le, le, tout dépend aussi comment on la consomme. Tout est dans l'intention. Aujourd'hui, c'est très fort. Donc c'est très fort en ce sens que euh, il faut jamais euh, non plus faire les choses contre notre gré Là encore, il ne faut pas se dire ah ben, je vais manger végétarien mais euh, parce que c'est bon machin etc. Mais que euh, ça, chaque repas ça 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 rend malheureux etc. Donc euh, ce qu'il faut c'est quel que soit ce que l'on mange le faire en toute conscience, en toute conscience et en y amenant euh, de la paix. Euh, moi j'étais euh, la bénédicité était Quelque chose aussi de très bien, quel que soit ce qu'on mange, c'est pas grave, mais déjà on amène une énergie positive, et je pense que l'esprit est toujours. Euh, euh, dominant par rapport à, cette, à tout ce qui est de la matière, quoi que la matière peut toujours agir sur l'esprit, on est bien d'accord. Mais donc, autant ne tentons pas le diable, comme je le disais tout à l'heure, faisons en sorte d'avoir une alimentation équilibrée parce que, comme disait les médecin, si on mange une alimentation équilibrée, ça nous donnera certainement, mais si on la, la, la santé et l'équilibre, mais euh, ce n'est pas encore certain parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme les chocs émotionnels, comme la pollution, etc. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que si on mange une alimentation déséquilibrée, ça nous apportera tôt ou tard des problèmes de, de santé. Mais là encore, tout dépend de la de l'intérêt la, de d'aller de, 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 de se manger un hamburger avec des frites. Pourquoi pas si on le fait? Euh, dans un bon avec, plaisir. Avec, plaisir. Avec, voilà, avec plaisir. Toujours avec, voilà, Par rapport à l'alimentation euh, justement les, euh, les séances de méditation que tu mets sur, euh, sur internet nous permet d'avoir cette nourriture intellectuelle, de se recentrer sur notre être. J'en viens au Prana, tu sais souvent les gens qui sont dans un, dans un mouvement, vers, vers une Kundalini, ils vont, ils, vont, ils vont chercher cette puissance de la Kundalini. Est-ce que tu pourrais en parler aux spectateurs parce que je sais que tu connais bien le sujet et j'en profite bien, c'est peut-être vite dit, mais je, je, je l'ai étudié dans le sens que, bien sûr, euh, pour, pour se nourrir du prana, ce qui est important, c'est aussi de monter son état de conscience. là encore, c'est alors... Euh, Certains parlent que ça vient, comme tu le dis, de l'énergie de la Kundalini qui arrive et qu'on va se nourrir. Mais moi, je pense qu'il y a un autre élément qui pourrait rentrer en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle les ondes scalaires qu'on qu on a beaucoup dans notre environnement et qui, et donc, nous, nous nous nourririons de 50 d'énergie scalaire, d'ondes scalaires autour de nous. Et si en montant notre niveau vibratoire, etc., on peut développer encore plus ces ondes, la nourriture scalaire, sans parler de, de mon aussi sur sur des fréquences encore plus élevées par rapport à ça et, et à ce moment-là ça peut véritablement euh, permettre de passer à la nourriture pranique comme on le dit mais euh, faut bien comprendre qu'en se nourrissant du prana ça nous change obligatoirement au niveau psychologique. ah oui mais tout à fait nous oui. avons un lâcher prise total avec euh, certainement la société qui nous entoure du coup euh, oui un ami un ami m'a dit euh, il y a quelques années euh, que l'armée la, la, française s'intéressait à la nourriture pranique pour la donner à ses soldats. Et euh, donc, évidemment, si, si tous les soldats se du, nourrissaient du prana, il n'y aurait plus besoin de toute l'intendance pour l'apporter pour à la nourriture, etc. Donc, euh, et moi, malicieusement, euh, euh, j'ai dit à mon ami Mais c'est une idée absolument géniale. Donc, lui, il était tout content parce qu'il était avec les pensées militaires, etc. Mais moi, je n'étais pas du tout dans cette Penser bon, là, parce que je me suis dit, si, si les soldats se mettent à nourrir du prana, ils n'ont qu'une seule solution, c'est d'élever leur conscience, d'élever leur vibration, et puis euh, euh, comme ça, arriver à recueillir cette nourriture. Mais s'ils si, ont fait ça, après ça, ils ne peuvent plus prendre le fusil pour aller tirer sur la personne qui est en face. Et non. Et oui, ils ont changé leur paradigme, leur façon oui. de voir. Donc c'est pour ça que je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde. <laughs> oui, ça éviterait beaucoup de choses. Et mais, mais je suis étonnée qu'ils avaient émis le fait d'utiliser la nourriture panique dans des situations comme ça, conflictuelles, où il où y a la guerre, il bah, y a l'opposition. Tu sais, tu... Tu n'imagines pas toutes les études et toutes les recherches. Tu parlais par exemple de la télépathie, de la téléportation, de la vision à distance. Mais dans, nous, on découvre ça au fur et à mesure aujourd'hui. Mais dans les, dans les recherches pour les différentes armées du monde, ça fait des années. Ça a été beaucoup développé, par exemple, au moment de la guerre froide. Moi, j'avais des, des anciens collègues militaires qui travaillaient, qui revenaient du Vietnam, enfin qui étaient médecins militaires au Vietnam et qui ont travaillé après ça au CNRS. Tu n'imagines pas toutes les recherches qu'ils ont pu faire sur les individus, sur la pensée, sur, sur tous les domaines. Ils ont cassé, ils ont cassé beaucoup de bonhommes d'ailleurs en faisant ces recherches-là. Et euh, mais c'est et quand on voit l'armée française, c'est tout petit. Quand on voit les, ce qu'ils pouvaient faire en Russie, en, en Chine, en, etc. Et, et c'est très et c'est secret défense, alors que ça ça pourrait être vraiment des éléments extrêmement intéressants pour, pour nous. Nous avions évoqué il y a quelque temps de ça sur la puissance, la puissance de l'amour, cette révolution. Je reviens à ce dernier ouvrage que tu as écrit euh, il n'y a pas longtemps, « La révolution de l'amour ». On est en plein dedans, Luc On est en plein dedans. Et ce qui est amusant, c'est que je l'avais, ce n'est pas mon dernier, il y en a eu d'autres depuis, mais euh, c'était un, un livre que j'avais écrit bien avant les, la, la pandémie bien sûr avant la, la, le, le confinement, etc., et qui devait sortir au moment du premier confinement. Son mmh. émission a été retardée à cause du confinement, d'ailleurs. Mais là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, on ira un jour ou l'autre vers la lumière, mais est-ce qu'on sera obligé de passer par l'ombre et, et ça, ce choix dépend de l'attitude de chacun d'entre nous. Parce qu'on sait, euh, il y a eu des études de fait, enfin, enfin, en particulier avec l'effet Maharichi, qui suffisait qu'il y ait une, un petit groupe une minorité qui soit active et qui peut à ce moment-là véritablement changer les paradigmes de l'ensemble de, de l'humanité c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être une majorité pour changer les paradigmes or l'amour la, est l'élément le plus puissant que nous pouvons avoir à notre disposition par exemple le, le cœur émet un champ électromagnétique qui est plus de mille fois supérieur à celui du cerveau par exemple donc c'est pour dire que il réagit et quand on a décidé Situation. Tu parlais des émotions tout à l'heure, mais qu'est-ce qui va réagir en premier C'est le cœur. Le cœur qui va réagir en premier, même positivement ou négativement, mais c'est lui qui, qui reçoit la première, euh, les premières informations et c'est lui qui informe le cerveau et pas dans l'autre sens. Et c'est pour ça que si, si nous sommes assez nombreux à vibrer dans cet dans cette élément là on peut vraiment interférer et ça c'est important parce que on reste pas passif on reste pas inactif et c'est quand on se met contre un système la loi d'attraction on veut dire que quand on est contre on est en train de nourrir ce, ce pourquoi nous sommes contre et donc ce qu'il faut c'est au contraire arriver à monter quelque chose à côté de positif de lumineux et à ce moment-là si c'est vraiment efficace ça va se développer et l'autre monde va tomber de lui-même. Voilà, oui, D'ailleurs, on avait eu un bel exemple avec, avec la révolution indienne, hein, tout simplement. Oui, et c'est dans cette nouvelle année qui nous atteint, l'année 2023. Nous avons eh bien, au seuil de cette année 2023 le film Avatar, que nous attendons mmh. tous. Euh, qui, qui va soumettre euh, cette énergie cette énergie de l'eau Est-ce que tu as vu qu'ils ils mettent en avant l'eau l'eau Non j'ai pas j'ai pas du tout Je sais qu'il y a une, une suite dans, dans Avatar Moi j'avais beaucoup aimé le le premier Est-ce que j'avais euh, qui m'avait été vraiment flashé C'était euh, quand ils se rencontraient ils étaient là en train de dire je te vois <laughs> et, ouais. Et ça, c'est, ça m'a fait, ça, ça a résonné complètement avec la pensée polynésienne, avec l'aloha. Aloha, aloha c'est, c'est ça. Bonjour, je te vois. C'est pas que bonjour, bonsoir. C'est bonjour, je m'arrête, tu es là, je te prends en considération, je vais t'écouter, j'en va partager, etc. Je vais prendre du temps pour toi. Et c'est, c'est exactement ça. Alors l'eau, non, j'étais pas. Mais pour moi, l'eau est un élément. Euh, c'est un élément merveilleux parce que faut pas oublier que nous sommes formés en moyenne de 70% d'eau et que les bébés font 90%. Les, les vieux vieillards euh, très âgés n'en ont plus que 60 et je pense 60%. Et je pense que le vieillissement est très très lié à ça. Et bien Benveniste nous avait bien montré que bah, des informations circulaient dans l'eau et restaient concentrées dans l'eau. Avait été repris par Luc. Ses recherches avaient été reprises par Luc Montagné également. Tout à fait, tout à fait. Donc, et là, je bénis le ciel aussi pour une chose, une chose qui est remarquable, c'est qu'il euh, faut regarder que sur cette Terre, euh, ben, on émet un nombre de pensées négatives absolument faramineuses. <laughs> Toi, oui, constamment. Peut-être parce qu'on se remet en question, non Qu'est-ce que tu en penses y là, oui, mais c'est le pas là où je voulais en venir. C'est qu'il qu y, y a des idées de guerre, de haine, de jalousie, mmh. etc. Donc, c'est tout ça, je veux dire. Et donc, si on dit que ces, ces pensées, ben on les reste elles restent tout le temps accrochées à cette Terre. Moi, je pense d'ailleurs que euh, la Terre, la planète proprement dit, réagit de temps en temps par des phénomènes de purification en certains lieux à cause de, ces, de cette charge. Mais là où je remercie beaucoup cette planète, c'est que nous avons des océans d'eau salée. Et l'eau le, salée éteint les, les émotions, efface les émotions, nettoie les mauvaises énergies, etc. Et si on n'avait pas ça, on serait dans un, dans, un, dans un univers infernal à cause de toutes les pensées péjoratives que nous pouvons euh, euh, manifester, nous, en tant qu'individus, en tant qu'humanité. Donc, merci, merci. Là encore, c'est un autre aspect. Ce n'est pas l'eau pure, mais c'est l'eau salée. Le sel est un, un élément qui efface. C'est excellent ce que tu nous rappelles, parce qu'il est vrai que dans des centres de rééducation pour les personnes qui ont vécu des traumas au niveau physique, souvent l'eau salée est abordée pour rééduquer le corps physique et aussi se nettoyer des émotions, parce que souvent nous, nous, nous conseillons à, aux personnes qui ont vécu des chocs émotionnels de se nettoyer le corps avec du gros sel lorsqu'on prend la douche. Oui, oui, tout à fait. Ou, ou simplement, quand les gens qui ont la chance d'être au bord de la mer, allez prendre un bain de mer pendant un petit quart d'heure, etc. Ça, ça nettoie le corps et ça fait déjà du bien. Pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, peuvent prendre un bain s'ils ont une baignoire avec du gros sel ou carrément un, simplement un bain de pied avec du gros sel. Et simplement ça. Et ça aussi, ça permet de décharger, de vider déjà une grande partie de ces, de ces charges négatives. Peut-être pas tout, parce qu'il y a d'autres... On peut accentuer ça avec, avec la prière, avec certaines pierres, avec des choses comme ça qui vont... Avec. Mais déjà, la prière, euh, la demande, le, le, le bain de pied avec du gros sel permet euh, beaucoup. Moi, je me rappelle comme ça d'un couple ami qui était, c était bien, bien branché, si je peux dire. Et puis, il y avait mon ami qui me disait De temps en temps, je vois ma femme arriver dans mon bureau avec mm. une bassine d'eau pleine de sel et puis une serviette. Puis elle me disait Tiens, mon chéri, c'est pour toi. <rire> <rire> Parce qu'en fait, elle avait très bien vu que son mari n'était plus le même euh, actuel en ce moment et qu'il avait besoin d'un voyage. Et comme c'était une femme très intelligente et qui est toujours très intelligente, et, euh, elle, elle se dit, bah, si mon mari est chargé, il y a des fortes chances que je le sois aussi. Et donc, elle faisait aussi un bain de pied en même temps faisait un nettoyage aussi sur elle. Et donc c'est parce que quand on change, quand on se modifie, quand on les choses bougent en nous, on s'en aperçoit pas toujours. Et c'est c'est souvent les autres qui qui, qui qui nous informent et si on a ce n'est pas justement dans ces périodes où on est perturbé, ce n'est pas le moment où on est les plus réceptifs à ce genre de remarques. On a plutôt tendance à se mettre en colère dans ce genre de remarques, mais c'est justement quand on se met en colère que c'est là qu'on en a le plus besoin. En parlant de la colère, je trouve que l'aspect extérieur de la société, surtout maintenant avec tout ce qui est en train de de ressurgir d'Internet, euh, des entreprises qui ont arrêté, beaucoup de gens se retrouvent sans euh, profession. Euh, nous avons nos jeunes enfants qui essayent de trouver eux-mêmes une activité professionnelle, mais qui ont des difficultés à trouver, on va dire, euh, le fil d'Ariane pour devenir ce, ce qu'il en est par rapport à leur, à leur vie et leur carrière professionnelle. Euh, surtout actuellement, et là, avec les positions, alors là je, je reviens un peu aux planètes, aux énergies qui sont en train de se croiser entre Pluton, Saturne, et là jusqu'en avril on a, on a notre dose, comment euh, au-delà de ces énergies et plus rationnelles et conventionnelles tu pourrais les, les aiguiller C'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile aussi bien pour ceux qui, euh, qui. Moi je discutais encore avec un ami hier et qui... Et qui me disait qu'il se posait des tas de questions pour son entreprise pour 2023. Et donc euh, avec euh, avec les personnes qui, qui travaillent dans son entreprise, mmh. euh, il y a évidemment les salariés sont les mêmes choses. Il y a plein de plein de, de le coût de la vie qui augmente d'un autre côté. Le, le, c'est c'est vraiment quelque chose qui est euh, très angoissant et, et par rapport et ça je comprends bien que ce soit c'est ce qui fait d'ailleurs le frein à mon sens euh, pour euh, empêcher un peu certaines personnes que de d'évoluer véritablement euh, vers vers d'autres pensées parce que le problème matériel a tellement point, et je le conçois essentiellement mais ce qu'il faut voir aussi c'est que euh, tout justement toutes ces notions de loi d'attraction moi, je, je disais ça, par exemple, à un, un jeune encore il y a pas très longtemps. Il me dit, moi j'aimerais bien, je ne sais plus ce qu'il voulait faire comme, comme métier. Puis il me dit, oui, mais je ne vais pas le faire parce que euh, c'est, il y, y, y a pléthore euh, déjà, il y, y a trop de demandes là-bas et, et j'en serais qu'un de plus, etc. Et en fait, euh, bah, je, je, je lui disais, si c'est vraiment ta voix. Si ça sort vraiment de toi, euh, tu peux la faire et, et toi, tu trouveras toujours, euh, trouveras toujours sa voie. Et dans la loi d'attraction, il faut bien comprendre que c'est toujours l'abondance, c'est-à-dire que euh, c'est toujours l'histoire de la place de parking. Je demande une place de parking, j'en trouve une. Mais si j'en trouve une... Ce n'est pas qu'on l'a prise à quelqu'un d'autre, c'est que ce quelqu'un d'autre aura aussi sa place de parking, etc. Et donc, c'est pour ça que euh, le, le gros problème, c'est qu'il y a une perte de confiance en soi. Euh, après ça, de se retourner après ça comme étant des victimes et se retourner pour euh, obtenir les aides et les choses comme ça. Tout ça, ce n'est pas des critiques. Hein. Ce n'est surtout pas des critiques. Je ne, je ne suis pas dans un jugement, mais ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que euh, ça fait perdre sa propre valeur propre valeur. Et, euh, et, et donc, euh, c'est pour ça aussi que le fait de développer une certaine euh, spiritualité permet d'atténuer euh, la difficulté de ce qu'il peut y avoir euh, par rapport à ça. Moi, je voyais ça par exemple au confinement. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Le confinement était quelque chose de relativement doux pour moi parce que j'étais entouré de jardins, de prairies, etc. Mais je comprends qu'une personne qui était se retrouver dans un studio à Paris, ça devait être l'enfer, l'infernal. Et je pense en particulier même aux enfants qui ont vécu des situations comme ça. Ils sont traumatisés psychologiquement, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à, à… Moi, je donne toujours l'exemple de l'histoire du, du, du billet froissé. Je ne sais pas si tu connais cette histoire-là. C'est le billet froissé, c'était un professeur qui arrive avec un billet de 50 euros dans sa classe, mm -hmm. puis qui dit à ses élèves, j'ai trouvé ce, ce billet-là, est-ce euh, que c'est pas moi, j'en ai pas besoin, et qui le veut Donc évidemment, tout le, monde, tout le monde lève la main, etc. Après ça, donc lui, sans rien dire, il prend le billet, et il le froisse dans sa main. Et puis il leur montre le billet. Maintenant, qui est-ce qui le veut Alors évidemment, tous les élèves continuent, moins, moins, moins. Après ça, il prend le billet, toujours sans rien dire, il le met par terre et il marche dessus. Il l'écrase. Il reprend le billet, il le montre aux élèves, ce billet froissé, piétiné. Qui veut mon billet, le billet de 50 euros Tout le monde en veut toujours. Et il dit ben, je vais garder quand même ce billet parce qu'il est à moi. Mais c'est que vous avez eu une belle leçon. C'est parce que dans la vie, être bousculé, froissé, piétiné, mais vous aurez toujours la même valeur. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important parce que on a tendance à se dévaloriser face à ces, ces, ces situations. Et là encore, il faut faut, faut croire, c'est pas facile de croire. Moi, j'ai passé des, des périodes difficiles dans ma vie, comme tout le monde. Je me rappelle d'une où j'en je, ris encore aujourd'hui quand je me rappelle de ça. je me rappelle, j'étais parti faire une. J'étais dans un hôtel parce que je faisais une conférence et puis je vivais quelque chose de difficile. Et je me rappelle, j'étais sur le balcon de cet hôtel, je regardais la lune, les étoiles, etc. Et je me dis bon, si je vis ça, c'est que je vais avoir quelque chose de mieux qui va arriver derrière. Et puis là, je regardais les étoiles et puis je dis et je leur disais et puis ça a intérêt d'être vachement mieux. <rire> <rire> Mais écoute en tout cas pour de mon côté de mon point de vue c'est vachement mieux c'est vachement mieux voilà. Voilà. exactement <laughs> quand, quand on est dans les situations de souffrance quand on traverse tous comme tu dis les situations comme on dit de de, de, de licenciement etc mm. c'est des, des, des choses qui sont terribles donc ça nous remet en cause et puis souvent il y avait aussi c'est aussi il faut les on peut les prendre aussi différemment moi je voyais ça avec une personne qui avait qui était qui avait des problèmes et où il avait des problèmes dans son travail etc et je lui dis bah ça c'est aussi c'est une bonne occasion pour te dire qu'est-ce que tu veux faire dans ton boulot. Tu ne veux pas retourner à ton boulot, ça t'a déprimé, tu étais en burn-out, etc. Ok, maintenant, ok, mais tu étais jeune, tu peux encore faire un boulot. Et est-ce que aimerais faire comme boulot? Peut-être que c'est l'occasion justement de, de changer, de trouver un boulot qui qui correspondra, qui, le, qui lui correspondra mieux et qui lui qui évitera justement ces phénomènes. Ce sont toujours, euh, comment dire, en opono les situations délétères sont pas sont des opportunités pour nous de changer. et c'est pour... ça. Et pourquoi pas sortir de la case et d'avoir plusieurs objectifs de vie, c'est-à-dire de pouvoir avoir et d'espérer plusieurs activités qui, qui, qui nous ressemblent et où on s'épanouit au quotidien. Et finalement, le matin, on se lève pour faire des activités professionnelles, mais on ne le ressent pas parce que ça fait partie de nous. Hein, pourquoi pas euh, s'ouvrir à, à cet échange, ce partage Parce que ce, ce monde-là qui, qui est là euh, par rapport en fait, euh, au prix qui, 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 qui prend de l'ampleur, que ce soit le carburant, les voitures, les voitures électriques, merci pour la pollution de la vie, euh, ça c'est un petit clin d'œil que je fais, mais euh, tout, tout est en train de s'enflammer justement ce côté euh, euh, bizarroïde que, que, que le gouvernement est en train de nous mettre et même c'est au niveau mondial hein, ça change, hein, c'est incroyable donc pourquoi pas revenir comme quelque part à nos anciens qui ont vécu la guerre et qui sont repartis à zéro c'est à dire qu'ils étaient dans le partage ils avaient la terre, ils bêchaient l'autre il lui prêtait un bout de terre il faisait pareil j'ai l'impression que ce monde, il va revenir à l'essentiel. Oui, bah, tu sais, il y a même dans des, dans certains, dans certaines villes, il y a des quartiers où, où ils ont remplacé les espaces verts par euh, par des, par des potagers où chacun peut Alors, y aller, etc. Mais euh, il y a des, ce qu'il faut. Il y a aussi des personnes qui me disent, on va, moi je, je suis dans la dans la campagne, et ils me disent, on va on va venir dans la campagne. Oui, c'est très très bien, c'est très très bien. Mais c'était ce que j'avais vu aussi quand j'avais vécu outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. C'est-à-dire que d'aller, d'aller comme ça ailleurs en Nouvelle-Calédonie, ailleurs. Mais il faut y aller parce qu'on a envie d'y aller. Et il ne faut pas y aller parce qu'on est en train de fuir quelque chose. C'est oui. différent. Donc oui. ça, c'est très important. Donc c'est, on y va pour quelque chose. On n'y va pas pour fuir autre chose. Donc ce qu'il faut, c'est bien prendre le temps et, et le. Et l'élément, un, une des clés quand même bah, pour, pour ce changement, hein, c'est important, c'est de se dire, euh, eh bien tout simplement, définissons, voyons tout simplement ce qui nous rend heureux, heureuse. Tout simplement. Alors comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir un métier et faire une activité à côté qui nous rend heureux, heureuse. Donc, ça peut être une activité artistique, ça peut être une activité bénévole, ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis, après ça, peut-être que par la suite, on, on, ça prendra le plat, le pas sur, mais peu importe. Il y a d'autres personnes, ça peut être un changement complet euh, d'activité, de se mettre à son compte, de développer euh, telle ou telle chose. Bah, par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin d'aide, etc. Donc, euh, mais là encore, il faut que ça réponde, il faut que ça nous plaise. C est, c est pas, c est, c est, on n'est pas tous faits pour aller soigner les petits lépreux euh, en Inde, hein, je veux dire, c'est qu'on peut les aider comme on veut, mais il faut, faut que ça sorte de nous, de notre cœur, de nos tripes. Et donc ça, c'est le premier plan, c'est de, de vraiment euh, rechercher les situations qui nous rendent heureux, heureuses. Et puis l'autre côté, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était la force de l'amour, parce qu'à partir du moment où on met cet amour dans le centre de notre vie, de nos paroles, de nos pensées, de nos actions, eh bien... Comme de par hasard, le monde autour de nous change, et c'est très amusant comment là encore la loi d'attraction fait que on change nos visions de vision, et d'un seul coup, ce, qui, ce, que, ce que nous renvoie l'extérieur qui vient de nous, on est bien d'accord, mais euh, euh, est différent. Et, et c'est pour ça, c'est que quand on est dans cette peur, euh, là encore, c'est pas du tout une critique hein, parce que euh, je comprends que trop bien, mais c'est la peur de manquer, la peur de manquer d'argent, la peur de tout ça, je le c'est très anxiogène et très, très angoissant, et, et c'est très difficile à vivre, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de bonne solution, mais euh, il ne faut quand même pas perdre de vue ce que l'on est, Nos, notre valeur, notre, euh, l'effet de partage. Moi, je suis toujours ébahi par voir comment les gens qui ont le moins de moyens sont les plus partageurs. <laughs> Exactement. Ce que tu permets aussi aux personnes qui sont dans cet éveil et cette demande, tu transmets des clés sur ta chaîne YouTube, Luc Baudin, où on peut voir certaines, on va dire, euh, euh, méditations et ouais. même euh, aussi des partages dans l'évolution et surtout les énergies actuelles. Oui je donne j’ai des méditations, j'ai des, aussi des petites vidéos courtes qui donnent un outil. Là, je, je commence à les lancer là pour le moment. Il euh, y, y a des soins énergétiques intemporels que les personnes que tout le monde peut faire c'est gratuit et donc chaque et qu'on le fasse même à distance enfin dans le temps et eh bien ça a toujours la même valeur il y en a une soixantaine avec plein de thèmes différents il y a un petit livret aussi à télécharger gratuitement sur mon site qui est le manuel de survie oui. <laughs> sur c'est entre parenthèses, et, et ça donne un petit peu les clés, ça explique un petit peu ce qu'on est en train de vivre euh, sur, sur, sur cette terre et qui va bien au-delà de ce qu'on nous montre, euh, le dessus des cartes. Et, et puis après ça, ça donne des, des outils pour justement euh, euh, commencer, comme tu parlais tout à l'heure, à développer sa, son être spirituel, parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. D'abord des êtres spirituels. Et tout ça, ça nous fait perdre cette notion-là qui est importante. Si on souhaite venir à tes conférences, il me semble que bientôt il va avoir des, euh, des mises en place de, de rassemblements. Comment ça se passe hein bah je mets des rassemblements. Euh, là, j'ai un soin intemporel maintenant. C'est le jeudi soir à 9h sur ma chaîne YouTube. Il euh, y a un rassemblement pour la paix et l'amour sur cette terre, dont chacun peut y aller, venir soit prier, soit méditer, soit envoyer des bonnes pensées, se recueillir, etc. Et puis la semaine suivante, c'est un soin intemporel, énergétique intemporel sur un autre thème. Tout ça, c'est entièrement gratuit et c'est entièrement libre. C'est qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Donc, mm. C'est pour ça que je, je suis pas en train de récupérer les, les, euh, non, les je... adresses mail, etc. C'est que chacun est libre de venir. de. Et si on rate la, la, la séance, on peut toujours la, la, la revoir un petit peu après. Donc, c'est pour moi, l'idée, c'est de, de transmettre à travers de mes vidéos et à travers de mon site également un, un maximum d'outils parce que je suis un, un, un fervent adepte que... On est, vit une période extraordinaire, importante, et, euh, et donc, et nous, on peut influer pour qu'elle passe elle passe ce cap, que l'humanité passe ce cap. Là, j'ai appris que le 15 décembre, novembre, je veux dire, on sera 8 milliards sur la Terre, 8 milliards sur la Terre le 15 novembre. Donc, euh, euh, on, on peut… Wow. Oui, on dit tout le monde waouh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous le voulions vraiment, s'il y avait une notion de partage, d'équité, etc., eh bien, on aurait de quoi nourrir tout le monde. On aurait de quoi soigner tout le monde, on aurait de quoi donner de l'eau potable à tout le monde, on aurait de quoi donner des soins médicaux à tout le monde. Et ça, c'est parce que toujours, il y, a des, il y en a certains qui tirent la couverture à eux quand on pense qu'il y a que quelques milliers de personnes qui détiennent la moitié du, 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 de l'argent du mondial. C'est absolument affreux cette idée-là, alors qu'il y a des, des millions de personnes qui meurent de faim à côté. C'est une honte qui est mmh. de faim sur la planète que nous habitons que nous habitons. Bref, et je rappelle, autrefois, il y avait, il y avait, ils avaient, il y avait une ONG qui avait dit, on a besoin de 60 milliards de dollars pour arrêter la fin dans le monde pendant deux ou trois ans, je sais plus. Et tout le monde de leur dire, mais comment voulez-vous qu'on trouve cet argent C'est pas possible. Et l'année suivante, c'était là où il y a eu la banqueroute des banques. Ah oui. Enfin, et donc, chaque État, un pays comme la France, a sorti 700 milliards, rien qu'un pays comme la France, un pays comme les États-Unis, c'était 2 à 3 000 milliards de dollars, etc. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il faut regarder l'autre côté. C'est de l'égoïsme, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que quelque part, il y a quelque chose qui entretient. Pourquoi ils entretiennent ce système-là Le jeu du pouvoir, du, du manifeste, hein, de, de certaines personnages qui, qui souhaitent exister dans ce monde peut, peut bafouer ou tuer beaucoup de gens, malheureusement. En tout cas, euh, Luc. Tu sais, euh, je, on parlerait des heures et des heures ensemble sur différents sujets. Je suppose que, que les gens qui nous suivent ce, ce soir, aujourd'hui, et qui prennent en cours cette vidéo, euh, partagent aussi la même opinion que j'ai de, de nos échanges. Mmh. Euh, pour finir et pour, euh, pour faire malheureusement et heureusement aussi, parce que ça veut dire qu'il y a dans le devenir et j'espère un, un autre partage dans notre sujet, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour euh, faire une conclusion de, de cette vidéo que nous avons faite comme je l'ai dit, je suis un éternel optimiste. Et je pense qu'il est d'abord parce que j'ai lu, c'était Rabelais qui disait déjà que l'optimisme c'était bon pour la santé. Donc déjà c'est un bon. Et puis après ça, il y a la loi d'attraction qui dit qu'on attire ce que l'on est. Ouais, donc est pas. Et ça c'est aussi intéressant à bien se rappeler, c'est que on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Et ça c'est très très important. Et je dirais que restez toujours, à tous ceux qui m'écoutent, restez ce que vous êtes. Croyez en vous. Croyez en vos capacités. Vous êtes unique. Vous avez des talents. Vous avez des pouvoirs et que personne d'autre. Il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui est semblable à vous. Donc croyez en vous. Croyez en votre force et surtout développez le plus possible l'amour. Alors si des personnes elles me disent oui mais c'est un peu difficile au départ, je comprends moi aussi. C'est difficile aussi pour moi dans certains cas, mais c'est quelque chose auquel on peut aspirer. Et si vous avez du mal, commencez tout simplement avec des sentiments euh, qui vont vous porter là-dessus, comme déjà l'intégrité. Le partage, la justice, l'équité, la compassion, l'empathie, etc. Et tout ça, ça va vous faire glisser tranquillement. Et vous verrez qu'en plus, non seulement le, le monde autour de vous changera, vous aurez une vision différente du monde, mais cerise sur le gâteau, et eh bien, quand vous développez ces sentiments-là, vous êtes bien et vous êtes heureux, heureuse. Et donc, c'est vraiment euh, le, le, la clé euh, véritablement de l'être humain. Et, et c'est ce qui nous est demandé de développer le plus possible dans notre incarnation, développer l'amour, apprendre et développer l'amour. Et tous les gens qui font des états de mort imminente, etc., nous le disent bien, on est là pour ça. Et le reste n'a guère d'importance, en fait. Voilà, donc, et ça. Je terminerai sur une seule chose en disant, eh bien maintenant sachant tout ça, eh bien je vous dirai, soyez heureux, heureuse, tout simplement. Merci beaucoup Luc et je te dis à tout bientôt. Merci Marina, merci à tous.